hallucinais. Avez-vous chanté avec moi? Oh, mais c'est ça! OK, j'étais comme... J'avais l'impression d'entendre quelque chose, mais je me disais, je suis en train de virer ça. Mais vous êtes tellement bon, c'était beau! Des fêtes, hein? It's the holidays. Et on voulait vous offrir un dernier cadeau. Il y en a parmi vous qui l'avaient aperçu dans les corridors, je pense, aujourd'hui, non? Oui? Accueillez Charlotte Cardin! Salut tout le monde! Wow! Mais vous avez tellement une école, mais de talent. Vous êtes vraiment chanceux d'être dans un établissement aussi génial. Puis, ben, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Toutes les notes s'enfilent, filent les filles et tu ne sais pas. Moi, j'ai appris à jouer de la musique quand j'étais au primaire, puis au secondaire, ça a vraiment comme forgé mon développement artistique, d'avoir accès justement à des instruments, d'avoir un piano à la maison, tout ça. Alors, le fait que des centaines d'élèves puissent avoir accès à un magnifique piano comme ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Lorsque tu les as entendus chanter au début, qu'est-ce que tu as pensé? Mais au tout début, j'avais l'impression que c'était moi qui l'imaginais parce que c'était comme juste une petite ambiance. Puis je me suis dit, est-ce qu'ils commencent à m'accompagner, genre? On serait-tu game de refaire, genre, un chorus ensemble? OK. Oh, mais c'est tellement hot! Tu te fous. Ce piano-là va nous servir pendant les 4-5 prochaines décennies. C'est pas facile d'être jeune, là, je pense, ouais. Surtout dans la société dans laquelle on vit présentement. Il y a beaucoup de stress. La musique, ça les calme, ouais. Ça les aide à se focusser, ça les aide aussi à être plus humains, en fait.